Ensemble, nous allons vivre une très, très, très grande histoire d'amour. Anthony Lambert, alias Jarry Bonsard. Bon, on va pas se la jouer mytho, on se connaît déjà, mes protocoles obligent, je me représente. Hein, moi, c'est toujours Anneba. Hein, dans le jargon des messageries électroniques, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de spam, hein, de l'amour. Hein, de vrai que mais si, non. De vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais hein, que je me sens un peu comme une partie de qui est-ce hein, qu'on aurait proposé à Amadou et Mariam, hein, au cours de laquelle, du coup, hein, évidemment, personne hein, ne s'amuse jamais. Ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je suis célibataire, hein, sèche comme une soupe magie et ravie hein, de vous recroiser. Et d'autant plus ravie hein, que même si physiquement, hein, du fait de ce petit ascendant chaussé au moine hein, que vous donne votre début de tonsure et de ce petit côté mi-tata hein, que vous avez si bien votre petite houppette hein, que votre patience s'aborne hein, pour les princesses, c'est bien. Et bien, vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre la version aussi joyeuse que binoclarde hein, de cet humoriste français hein, qui, en 2012, a dû se faire assassiner par les impôts après le succès de Bref. Hein, je parle bien évidemment du sympathique et désormais pré-retraité Ken Kojandi. Et la version aussi humaine que poilue hein, de ce célèbre personnage de manga hein, qui est ce bon vieux Astro, hein, le petit robot. Et bien, malgré ce... Malgré ce petit ascendant John Doe, hein, comme souvent les artistes hein, aussi doués, hein, qui est là ce nom référencé sur Wikipédia, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance hein, de pouvoir ouvrir son cœur finalement à un acteur humoriste. Et metteur en scène de talent. Hein. Bref, un véritable couteau suisse hein, ou mort de faim. Les deux termes peuvent convenir. Qui après avoir eu le privilège hein, de tourner dans cette sorte de CSI de proximité hein, qui est la série RIS, police scientifique, mais aussi des mâts, hein, notamment dans le film probablement le moins téléchargé de l'année 2009. Hein. Je parle bien évidemment du film Bambou, hein, du délicieux Didier Bourdon. Eh bien, n'a pas hésité hein, sur les conseils avisés de ce dernier à tenter sa chance, hein, non pas au Bois de Boulogne, mais bel et bien dans le one-man show. Hein, bref, un virage comique totalement réussi, hein, puisqu'en marge de vos activités de metteur en scène, vous triomphez actuellement au Théâtre Trévise avec votre spectacle intitulé Atypique, un spectacle formidable hein, dans lequel on découvre notamment hein, vos talents impressionnants de majorette, un maniement du bâton sans pareil hein, qui d'une certaine manière vous rapproche de mon père en fait, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau hein, ayant été élevé à Marignane hein, par un père CRS hein, qui avouons-le hein, en matière de fruits hein, comme d'immigration hein, il a toujours eu une sainte horreur des melons comme on dit mais, je peux vous dire que malheureusement pour mes petits amis ascendant kebab hein, comme on dit au Front National croyez-moi hein, qu'à l'aide de son bâton de majorette hein, comme il aime à surnommer sa matraque cloutée eh bien je peux vous dire que mon père est hélas devenu un véritable expert du lancer de bâton hein. Et en parlant de se faire défoncer justement hein, même si j'ai bien cru comprendre qu'en amour comme en matière de junk food hein, vous êtes clairement plus croque-monsieur que croque-madame, bien pour autant, hein, partant du principe hein, que, comme vous le dites très justement dans votre spectacle, hein, il faut goûter tous les fruits de la corbeille hein, pour savoir celui qu'on préfère. J'aime autant vous dire que mon abricot, mes pêchés et moi-même serions absolument ravis à l'idée de nous laisser dévorer jusqu'au trognon. Sur ces petites confidences, cher Jarry, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance du côté de Noirmoutier, hein, où deux jambes humaines hein, ont été retrouvées sur une plage. Hein. Donc, si comme moi, la cul de jatte de l'amour qui est en vous, quel soit finalement hein, celui de même de pouvoir prendre enfin son pied, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo.